Re-YouTube, désolé, j'ai plein de cake dans les dents, mais il est bon. Et on est de retour sur Death Door. Petit jeu d'aventure là. Où on joue un piou-piou, évidemment les meilleurs jeux. Hein. Fais pas le cake mec, on a la brioche quoi. Rap Vendée. Hein. Il a peur. Mais j'ai plus de vie moi. Que je fasse gaffe. Ok. Alors, je peux monter. Donc on est présentement dans la maison de la sorcière. Et on va essayer d'aller lui péter sa gueule. Parce qu'on est comme ça. On casse des gueules nous. Genre j'ai tout eu si facilement ? Genre. Ah, encore une autre graine. Deux. J'espère que je vais avoir un petit pot là. C'est quoi ça? Non mais... Ah, va falloir que je choisisse. Ok, il y a la douche, enfin la baignoire. Je peux grimper. Et ça. Ok. Ah, et là il y a une porte. Oh là 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 là! Oh les petits joueurs là! Fallait regarder dans le reflet, au sol! Qu'est-ce qu'il va me donner lui? Un quart de cœur? Non? Il te fait le don d'un fragment de cristal magique. Un cœur pour augmenter tes compétences magiques au-delà de leurs limites. D'accord, ok. Jusque là ça va. Pour le dernier. Monter sur le lit. Ah bah oui, je peux monter sur le lit, bah oui. C'est bon, j'ai vu. Bon, je sens majoritairement le fruit, je crois. Ah. Après, quand t'as un peu le pif dedans tout le temps, ouais, c'est compliqué de jauger, quoi. Faudrait demander à quelqu'un d'extérieur, de complètement extérieur, quoi. Quelqu'un qui ne sent pas lui-même le fuel. Voilà. Merci. Ah, de la vie. De la vie, de la vie. Oui, redonne-moi ma vie, ma vie. Ouais. Je peux pas enflammer mes flèches là.
Ah! Petit boss. Merde. J'ai été greedy. Non, oh, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Ta-da-da-da-da. Attends, oh là là, putain, Rabia qui a failli sauter dans mon assiette. Ah là, du coup elle s'est pris une pêche, la pauvre. Je sens que ma maison sent le fuel, qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, c'est vrai. Pas de fumée, t'as pas à t'inquiéter. Coucou Kunrat, j'espère que tu vas bien. Un petit piou-piou. Je commence à remettre en question l'autorité du maître des portes. Mais il est un peu... Non mais il est peu... Mais il est peu tard pour... Ouais, un peu tard, ouais, ok. Parce que je suis morte. Il manquait un mot, quoi. Donoob. Non, 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 tu as confondu. Non, c'est l'odeur qui accroche les freins qui m'inquiète. 5-6 lavages, et puis on n'en parle plus, quoi. Ah, on peut pas repasser par là. Mais dis-moi, c'est pas toi qui as mis cette pagaille, j'espère. Je suis pas très accueillante avec les affreux qui veulent maltraiter mes enfants. Prends bien garde, faucheur. Je sais la gueule, moi. Oh, les patates. Les patates que je lui ai mis à Mermi Tromblon, là. Non, là, c'est de là où je viens, hein, c'est ça. C'est ça. Y'a un truc là-haut. Allô? Ça me ramène vers le début, ça, ou... Tu veux danser? Ah merde! Ah merde! D'accord, ok. Putain, il part vite, quoi. Oh là là, il part tellement vite! Ah, je suis mauvais! Ouais, il est mauvais, hein. Ahem.
Ouais, je vais y arriver. Regardez. Look. Alors, attendez, en cours de danse, un peu, ouais. Je pense qu'il faut regarder. Faut se mettre là. Voilà. Voilà, vous avez vu, hop. Merde. Ouais, pas comme ça, mais... Non, j'étais pas... Voilà, je suis pas parti dans le bon sens. Vous voyez ? On voit bien en tutu, en ballerine, honnêtement ça me pose aucun problème. Hein. Ah ! On chope. Comment on chope le truc là ? I want the V. Les salauds. J'avais pas vu moi qu'il y avait des ennemis. D'accord, ok. Pogoté dans... Alors ça c'est rigolo que tu parles de ça. Il y a une fois où je suis allé dans un concert où, où effectivement il était possible que ça pogote. Et merde, comment on y va? Et en fait, moi, je me suis pointé avec mon beau t-shirt des bébés Tortues Ninja. Et il y a des mecs qui se retournent. J'étais dans la fosse. Il y a des mecs qui se retournent. C'était, on attendait pour le début du concert. Et il y a des mecs qui se retournent comme ça et qui hop, et qui se remettent normaux. Et qui, je les revois, mais genre une seconde après se retourner en mode, mais c'est qui cet abruti avec son t-shirt un peu con quoi. C'était moi quoi. Mais leur tête, mais ça valait son pesant de cacahuètes quoi. Tellement étonné quoi. Une vieille bague de fiançailles. Attends, c'est plus qu'à trouver quelqu'un à épouser. Ah ouais, c'est comme ça. Consomme. Ça se casse ça. Il y a rien. Comment je fais-je là pour l'orbe là? Je peux pas tirer dedans. Là je passe à travers. Là, elle marche pas. Hein. On verra. Mais des fois, voilà, faut casser les clichés. Y'a rien ici. Ah merde! Putain, je les avais pas vus.
fous là toi? Ok, donc on a ouvert ça, mais, regardez. Et donc je sais pas quelle échelle est la bonne. Monte. Ben voilà. Est-ce que je peux faire cramer les... Mais oui. Mais oui. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de boss. Pourquoi la porte s'est-elle fermée? Comment pourrons-nous rentrer? Ouais mec, t'es mort. Là. Bien petit corbeau, tu as assez abusé de mon hospitalité. D'abord tu remplis la tête de mon crétin de petit-fils avec des histoires absurdes de malédiction. Et ensuite tu viens ici jusqu'ici pour me briser mes belles urnes. Mes urnes. Moi, je veux juste aider les gens. Si tu poses la patte dans ma cave, tu devras en subir les conséquences. Je pourrais même en toucher deux mots à ton employeur. Quoique je préfère pas avoir vu ce tordu. Franchement, qui se promène avec une serrure en guise de tête? Quel farfelu. Du balai, petit corbeau! Je vais bien casser la gueule à la vieille. Ah! Oh oui, regardez, il y a mes potes! Mais donc c'est sa grand-mère hein, lui. Tous les vides brillent d'une humeur mystérieuse. Est-ce qu'elle est ouverte? Si seulement je comprenais mieux le fonctionnement des portes. Avant que tu ailles plus loin, face de bec, je dois te faire un aveu. La vieille sorcière, eh bien vois-tu. C'est ma grand-mère, bah voilà, je le savais. Vous voyez? J'avais tout compris. Qu'est-ce que j'ai intelligent quand même. Je me suis retrouvé avec le crâne en céramique. Qu'on a essayé de me rendre immortel. Vois-tu, la mort de mon grand-père lui a causé un tel chagrin. Qu'elle s'est mise en tête de garder notre famille en vie pour toujours. Ses recherches l'ont amené à penser qu'en remplacement une tête par une urne, elle pourrait rayer quelqu'un des registres de la mort. Cependant, je me suis pas laissé faire. Nous sommes battus, son sortilège a dû échouer. Alors comme tu peux le voir, j'ai une soupière en guise de tête. Je crains qu'elle n'ait vécu beaucoup trop longtemps, son âme est devenue bouffie et corrompue. J'ai déjà vu ça souvent sur les ces terres. Tu es un faucheur, je te supplie de mettre fin à ses souffrances et d'amener son âme dans la vie d'après. Puisse-t-elle retrouver à nouveau la paix. En plus, je montrerai la garde ici. Que les portes de la mort soient avec toi, face de bec. Méfie-toi, faucheur vivant. Comment une âme devient bouffie? Bah non. Bah ainsi son âme. Oui, bah je sais pas moi, demande à Buffy. Bouffie contre les vampires. Un gros coffre. Da 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 da. Pam 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 pam. Mais il m'a blossé le coffre.
Oh, je joue trop mal. Non. Non. J'ai tellement déconné au début. J'ai tellement déconné au début du combat. Il y avait zéro chance que ça marche quoi. Tout mis à côté. Merde. Non. Et où? Oh là là, le con. Et merde, je pensais pas qu'il allait faire son tour bilol. La gridance, la gridance. Arrête de grider comme ça. Mais barrez-vous! Et merde! Oh non, pas deux! Non mais pas deux! Oh là là! Oh l'erreur, l'erreur!
Bon, voilà, c'est mieux. Bah. Il m'a vomi le coffre. Wouah! Oh ouais! Un cadeau d'un collègue corbeau pour t'aider dans ta quête. Il est classe. J'ai gagné le chapeau. Le sort de flamme. Ah voilà. Je vais pouvoir tout allumer maintenant. Regardez, allumez le feu. Voilà. Ouais. Je vole en fait ici. Qu'est-ce donc ? Dire un journal abandonné par un faucheur. Vous ordonnez de déconnecter une série de portes ouvertes dans la région où il y a eu une surcharge d'énergie. Cette même zone a constaté une grande activité des membres de la commission qui aidaient la sorcière dans ses recherches. L'ordre a été exécuté immédiatement et je sais pas ce que sont devenus les corbeaux qui étaient là-bas. Toutes les portes ont été scellées et les autres travaux demandés dans la région étaient effectués manuellement. C'est bizarre, mais ce n'est pas de mon ressort. Il vaut mieux ne pas se poser de questions. C'est chelou. Ok, j'ai 600 balles. Petit Kamehameha, là. Ah, j'arrive là, ok. D'accord, ok. Visiter les anciens bureaux. Je travaillais dans l'aile est avant de commencer ma vraie vie et de fuir le stress quotidien. Je suis beaucoup plus heureux. Mais j'avais un chouette bureau. On dirait que tu trouves des tas d'âmes là dehors. Mais d'où est-ce qu'elles sortent? Je n'ai pas vu autant d'énergie animique depuis des années, des siècles même. Viens piou piou. Ouais, il est trop mignon. Y'a d'autres ou pas? Oh là là, y'a une... Putain, y'a des trucs qui sont débloqués là. Ce piaf, bon à rien et dégueulasse, n'arrêtait pas de me lancer des graines alors je les virais. Il a l'air insouciant comme ça, mais mon instinct de garde me titille. C'est sûr qu'il me jette un sale coup. J'en avais au début. Ah! D'accord, ok. J'ai eu... billetterie. J'ai eu un succès. Parce que j'ai fait passer le petit merdier... Ah non, mais je lui ai fait peur. Ah, mais il n'a pas d'autre. Mais non, il n'y a pas de plantes. Mais je suis con. Ils sont liés aux plantes, les petits machins. Par contre, on me dit que je suis une menace, moi. Super. Hein. Oh non! J'ai réussi à faire ça. C'est un raccourci, regardez. On peut... sauter sur le truc. Ah bah voilà! Ah bah voilà, regardez! Kamehameha. Boum. Il y a un journal abandonné par un faucheur. Mon collègue n'est pas rentré d'une mission de routine. J'ai voulu franchir sa porte pour voir s'il allait bien. Elle a été fermée sur ordre de la direction générale apparemment. J'ai envoyé une demande au siège mais ils m'ont certifié que c'était la procédure normale et que l'affaire était classée. Toujours pas de nouvelles de mon collègue. La dernière fois que nous avons déjeuné ensemble, il m'a dit qu'on l'avait chargé d'aider une puissante sorcière. Ça l'avait un peu inquiété avant de commencer. C'était en fait une gentille grand-mère. Je me demande s'il y a un lien avec la fermeture de la porte. J'espère qu'il va bien. Modèle réduit d'une ancienne porte de faucheur. Elle fonctionne pas. C'est probablement une maquette de porte fabriquée il y a très longtemps. Bah, bizarre quand même, non?
Hop là. Moi je me jette. Hein. Attends, il y a pas des trucs en dessous là. Non. Il y a des trucs bizarres quand même dans ce monde hein. J'ai l'impression qu'il y a comme un cours. Ouf. Comment perdre de la vie le plus connement du monde en regardant pas vraiment l'écran et en jetant dans le vide du coup. Des trucs bizarres, ouais ouais, il se trame quelque chose là. Pas question que je me tape la paperasse pour ça, alors je te conseille d'arranger ça vite. Mais il y a l'autre qui veut bien, lui il veut bien lui. C'est Agatha d'ailleurs, c'est elle, a priori. Il y a une rumeur sur un corbeau il y a très longtemps, il n'avait pas accompli sa mission et sa porte a dû être retirée manuellement avec un étranger. Et qu'il a fallu taper une montagne de documents du jamais vu. Ils ont dû inventer de nouveaux formulaires. 3 dactylos seraient morts d'épuisement. Comme je les envie. Super sympa. Ah ah ah. Tout manquement aux règles entraînera un licenciement et la perte du statut de faucheur. Et par voie de conséquence, votre mort. C'est la mort. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter? Je pourrais augmenter ma force. C'est un corbeau qui fait des roulades. Oui, bah normal, non? T'as jamais vu un corbeau qui faisait des roulades, toi? Non mais allô, quoi? Avez-vous déjà vu? La dexté, pas vraiment. Je devrais pouvoir faire des nouvelles choses en fait, maintenant que j'ai mes nouvelles compétences là. Si je visais mieux que ça aussi. Peut-être que ça se passerait mieux. Je peux pas le cramer lui là. Vers où ça? Les ruines broussailleuses.
Oh là là, il m'a mis... Petite mandale, la mandalinette là. Ok. Bon, là, il n'y a besoin de rien. Ah, il y a un truc. Montez là. Putain, mais c'est une bestiole sur le dos. On dirait le pote de Manny dans Grim Fandango. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais même pas si c'est là qu'il faut que je vais. Hein. Je peux aller dans l'eau ou pas? A priori non. Du coup, je peux rien faire ici. J'ai rien compris. J'aille à l'autre. Toi. Ce chemin menait vers le marais, mais le roi crapaud l'a bloqué. Si tu étais fort comme maman, tu pourrais sûrement l'ouvrir. C'est où la suite? Ouais, j'entends de voir machin là. Le gros corbac. Et que je lui demande où faut que j'aille.
Je sais plus où il est, moi. Je sais plus où il est, gros Corboman. Il est pas très très loin en mag de la sorcière, je crois. Tiens, je vais planter une graine ou nette. Boum. Comment je sors d'ici? Par où je suis arrivé? Oh le sale sagouin! Le petit sagouin! Ah mais là regardez. J'avais pas fait gaffe à ça. J'avais oublié. Si j'avais oublié. Ça m'emmène où ? Salle d'observation de la chaudière. Genre c'est tout mais non. Il y a un gros strum là. Ah merde. Je voulais aller en bas parce que je me suis dit il y a un truc, mais non pas du tout.
Mais c'est le bordel ici. C'est bien ce que j'avais vu. Je m'en occupe pendant que je suis sur le chariot. Ça. Ok. C'était juste ça. C'est machin ? Qu'est-ce qu'il fait là, machin ? Oh, ça c'est dégueulasse. Je vais pas jouer à Horace. Non, non, je faisais deux sessions. J'avais dit deux sessions de. De Death Door et cet après-midi Horace. Donc là, c'est quand on termine. Là, on joue encore une bonne grosse demi-heure et puis après. Après, on ira sur Horace. Elle est là, elle. Je t'ai pourtant prévenu, corbeau. Et pourtant, tu t'obstines. Je me demande si c'est admirable ou stupide. Non, c'est complètement stupide. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois m'entretenir en privé avec ce garnement exaspérant. J'espère le ramener à la raison. Maintenant, s'il te plaît. Fiche-moi le camp! Ah là là, zut, il faudrait que je m'en aille. Alors je fasse ça. C'est pas Monsieur Soupe, c'est Omar Meat. Elle est pas gentille la méchante, hein. Je suis assez d'accord.
ramolos là. Vous êtes gouré de jeu ? Les ramolos c'est dans un autre jeu. Il y a une musique qui a fait peur là. Et la musique qui fait peur. Genre il me tire dessus ce con. Ah, j'ai pas été assez vite. Ah, ça me défonce. Ah, je suis mort, je le confirme, moi. Oh merde. La perspective, évidemment. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Je suis en train de me prendre un max. Oh mais non mais... Non. Putain. Il m'a fait mal lui hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Pourquoi j'ai... Bon, je sais pas. Bah, tant pis, je me suis soigné, c'est pas grave. Bon, je vais là-bas. Je peux pas le rappeler ? Ah si. Comment on y va là ? Faut arriver sur le tapis roulant ? Ouais, peut-être, ouais.
Comment je peux y aller sur le tapis roulant? Dans la salle qui est derrière là? Mais est-ce qu'il y a une salle qui est derrière là? Attendez, on va regarder. Je me mets dans le coin là. Ah non! Je suis en haut là. J'arrive de par là. Ok. Comment j'arrive de par là? Bien, je ne sais point. Voilà. Mais non, mais parle. Non, mais des fois, je vous jure, c'est un peu con. Hein. Ouais, faut faire le tour. J'imagine. Ah, y a un gros ramolos là. Connard. Putain mais... Non pas toi. Mais pas toi, t'es un ennemi de merde. Oh là 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 là. Je m'ai fait avoir par un ennemi tout nul, quoi. La honte. Ils étaient pas synchro les deux. Les deux étaient pas synchro, je me suis bien fait avoir. Oh, y'a l'autre con!
Ok. Donc lui, quand il apparaît, hein, c'est la priorité, hein, clairement. C'est tout flou. Qu'est-ce que c'est ? Merde. Voilà, ça tu l'as bien mérité toi. Nice. Le jeu il est tellement beau quoi. Ah non, faut que j'aille en face. Ah, faut que j'aille sur le tapis. Et connard man, non! Oh, y'a connard man quoi. Ah oui, d'accord. J'ai pas besoin de rentrer dans le truc. Aïe! Higher! Ok, merci. D'autre con là. Y'a un truc au bout, non? Ça me paraît très étonnant qu'il y ait... Putain, y'a rien. Ça me paraît très étonnant qu'il y ait rien au bout. Y'a rien. Dommage. Bien tenté. Pas je crois. Ah, si. Oh mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe le jeu. On a déjà dit que quand on faisait pas attention ça devrait pas compter hein. Ah, d'accord, ok.
mais non, mais je suis coincé. Non, je suis coincé. Putain, le jeu. Ah, le jeu. Mais non, c'est dégueulasse. Enfin, c'était tellement pas fair, quoi. Hein ? Ah oui, d'accord. J'ai allumé ce qu'il fallait. Voilà là. Non mais... Ah, il y a les petits, il y a les petits qui me coincent. Non mais non. Non mais non quoi. Et les petits qui mettent dans le coin là. Blanqui. Désolé, fini mes chips. Bon. C'était vraiment pas sympa. Je me barrais. Hein. Qu'est-ce que ça me donne de monter ici? Rien en fait. A priori. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ça pue, non? Mais non, mais y'a mamie! Espèce de petit merdeux! Les corbeaux ne font jamais ce qu'on leur dit. J'essaie de sauver des vies, moi! Tu comprends pas? La mort ne voit pas ceux qui ont caché leur force vitale dans une urne. Tu peux duper la grande faucheuse en personne. Toi et moi avons au moins une chose en commun, petit corbeau. Nous avons le même employeur. Il ne faudrait pas qu'il découvre tout ce que tu as pu voir ici. Oh ça, non. T'inquiète pas, je mettrai tes cendres dans une ravissante urne. La sorcière des urnes. Mémé. Mémé. Ah vas-y mémé. Dommage.
Non. Et si. Bon, ça ne sera pas le first try. Dommage. Allez, viens. Je compte un peu. J'ai plus de vie. Mais comment? Ouh. Putain. Ok. Ok, il y a des trucs à apprendre. Il y a des trucs à apprendre. Sur la deuxième. Sur la deuxième, elle balance des flamèches, quoi. Oh là là, quel enfer! C'est un de merde, je fais le con! Je fais le con, hein. Oh, elle m'a roulé dessus. Elle est pas gentille. Hein. Vraiment, elle est pas gentille. Elle est méchante, la pas gentille. En même temps, si je faisais pas le connard à me prendre la boulette, la frame 1, déjà, ça aiderait. Le jeu était gentil, hein. Je suis tombé de... Mais non, mais... Ça faut faire comme dans Hades, hein. Faut rester derrière, puis... dans ma teuté. Brrrah. Allez hop.
Et boum, la sorcière. Ça fait bim bam boum. Nous sommes réunis pour... Attendez. Nous sommes réunis pour pleurer la perte d'une femme à qui on donnait beaucoup de noms. Sorcière des urnes, harpie de céramique, enchanteresse des poteries, vieille bique des marmites. Et, comme de juste, mémé. Poussée par ses instincts maternels et consommée par son acharnement à vouloir tromper la mort, elle a consacré toute sa magie... elle a consacré toute sa vie à la magie, à la réanimation, aux potions et aux soupières. Son voyage s'achève ici. Elle repose désormais en paix. Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps dans ce monde est révolu. Wesh! Non! Non? Pas parler, Je suppose que j'ai gardé toujours ma tête de soupière. Pourtant, j'espère qu'elle trouvera la paix. Elle va enfin trouver grand-père. Ma langue a fourché. J'ai de l'eau dans le cerveau, littéralement. Et plus sérieusement, repose en paix, mémé. En paix, mémé. Elle est morte comme elle a vécu. Avec une soupière sur la tête. Je peux pas lui casser la gueule? C'est quoi ces conneries? Moi, je veux lui casser la gueule à mémé, moi. Je peux pas. Oh là là, mais y a un bus. Y a un tram. Qu'est-ce que... Tu dis toi. Faut que j'aille en haut ou faut que j'aille à droite? Ah bon, à droite y'a rien. Okay. Quoi? Ah mais c'est notre boss. C'est le chef. Le maître des portes, voilà. Tiens, un corbeau. Bonjour toi. Comment t'es-tu arrivé jusqu'ici? Ah, à quoi bon être maître de toutes les portes de ce monde si mes larbins oublient toujours de les fermer? Alors pourquoi es-tu là? J'ai pas vu de corbeau depuis des années. Vous avez toujours votre bec. C'est chouette. Je sens une puissante énergie animique en toi, petit corbeau. C'est une impression curieusement familière. Ah, c'est pour ça que t'es ici? Tu viens chercher une récompense? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu as bien travaillé, mon petit. Bravo! Et maintenant, sois gentil et dépose-les dans ton coffre. Tu n'as pas besoin de m'apporter les âmes directement. J'ai des choses plus importantes à faire. Ciao! Hop là! Hop là! Je suis ton père. Non. Oh, lui, il a vu sur la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah mais Chandler, c'est lui. T'as déjà accompli ta mission? Mais attends. Tu as une âme géante? Mais ce n'est pas la bonne. Je peux pas l'enregistrer. Comment tu fais? Peu importe, repars chercher l'âme que je t'ai assignée. Si tu meurs sans finir ta mission, c'est peut-être moi qui devrais taper une montagne de paperasse. Ce serait fantastique. Est-ce que j'ai des sous? Enfin, pas des sous, mais est-ce que j'ai des âmes? 800, je pourrais augmenter à quoi? Oh, attends, est-ce que je me fais un build force? Est-ce que je suis vraiment le roi des cons et que je up la force uniquement pour le moment? A priori, oui, je suis con.
Le labo de la sorcière, le manoir. Mais non, mais moi je veux. Oh, regardez, il me suit, trop mignon. Ah, mais oui, d'accord, le patron, il y a la photo du patron au mur, vous savez. Un peu comme Emmanuel Macron, quoi, faut sa tronche dans toutes les mairies, quoi. Le cimetière oublié. Mais comment je retourne voir machin là? Ah non, je veux pas aller aux ruines broussailleuses quoi. Je sais plus où est machin, moi. Cimetière. Hein. Cimetière, c'est le premier truc. Bon, c'est le bosquet des esprits, le premier truc. Bon, vas-y. Vas-y pour le cimetière. Genre, ça se passe, je cherche toujours une réponse à ma situation. J'ai perdu un ami cher une fois et je l'ai enterré sous la clarté de la lune. Sous la clarté de la lune. C'est forcément une énigme. Il est au bout là. Je crois. Non, il est où? Il est où? Il est où? Regardez, lui il va m'aider. Incroyable. En si peu de temps, tu as fait bien plus que moi pendant toutes ces années. Si tu parviens à récolter les âmes des deux autres géants, nous pourrons ouvrir la porte de la mort. Tu devrais aller à l'est, au-delà de la forêt. Cathédrale inondée. Ouais, ok, donc c'était le bon endroit en fait. Du pont là. Mais si. Ah, plus que deux coups pour eux maintenant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Ah oui, bah vas-y. Trop simple maintenant. Il ressemble vraiment au pote de Manny hein, dans Grim Fandango. Hein. Machin tout bleu là. Tout bleu énorme. Deux coups aussi
Quoi, la racine, ça nous téléporte? Oh là là. C'était pas clair, hein. Aïe! Ah, regardez, c'est le roi crapaud. Non. Bah si. Ok, même chose ici, quoi. Ok. Et où c'est qu'il y avait un truc bloqué encore? Pas ici, mais... J'ai pas de... J'ai pas de plan plante quoi. Une clef. Ah mais j'ai dit que j'arrêtais. on va continuer au ras quoi. Hein? Oh non, elle a balance des flammes. Il pourrait prévenir quand même. Ah oui, donc là il faut que je balance une flèche. Et pourquoi il y a un truc là ? Je commence à me poser des questions sur tout là. Vers le bivouac de la forêt. Ici. Elle est jouée dans les donjons, mais la forêt les a fermés. Roi Crapaud s'est assis sur mon frère, il s'est retrouvé dans son ventre. Quoi? Fais attention, certaines plantes ont l'air délicieuses, mais elles pensent la même chose que toi. Elles pensent la même chose de toi. T'as vu un de tes semblables depuis bien longtemps. Viens seulement pour voir tes amis dans les profondeurs. Je regrette, mais la forêt a scellé les portes des donjons. Il y a de nombreuses lunes pour nous protéger. Je pourrais lui parler, lui demander de t'ouvrir les portes. Nous communiquions par la musique et hélas, j'ai perdu ma corde magique. Je l'ai laissée dans l'ancien camp au nord, mais nous avons été chassés par les sbires du roi crapaud. Me rapporte, nous pourrons sûrement t'aider dans ton voyage. Trop bien une quête, quoi.
Bonjour ami en plumet, je suis dur d'oreille, faut que tu parles fort. Salut Corbac, je vois que tu bourlingues toi aussi. Qu'est-ce qui t'amène? Tu viens apprendre la musique des enfants de la forêt toi aussi? C'est dommage que la mère de la forêt ait perdu sa corne. J'espère qu'elle trouvera bientôt pour que j'entende de nouveau sa belle mélodie. Oh les musiques quoi. Les musiques, elles sont ouf. Arrête tout. Il y a plein de trucs avant, j'ai pas fait les trucs avant là. Alors, le bivouac quoi, ok. Voilà. Et toi, ouais, on va te casser la gueule pour que tu viennes ici. Ah merci. Quoi ça? Ok. Tout simplement. Y a pas grand chose à faire là. Ah, c'est pareil, il faut être de l'autre côté pour ouvrir. Ça c'est juste un raccourci. Je peux tomber d'ici ou pas? Non. Fermez ça. Allez hop, je vais retourner ici. Hop, et on continuera ça une prochaine fois. Des bisous YouTube.